Un corps de 60 kg est lancé avec une impulsion de 600 Nm/s vers le haut. Quelle hauteur va-t-il atteindre? Voici les données. La masse M vaut 60 kg et l'impulsion P vaut 600 Nm/s. Ce que nous cherchons, c'est la hauteur H que le corps va atteindre, hauteur que nous exprimons en mètres. Commençons par le principe de conservation d'énergie qui dit que l'énergie cinétique du corps en bas doit être égale à l'énergie potentielle du corps à cette hauteur H. Nous en déduisons au moyen de ces deux formules que M fois V0 au carré divisé par 2 est égal à mgh, où V0 est la vitesse initiale du corps. Cette équation peut être simplifiée par m, et ainsi nous obtenons que h est égal à V0 au carré divisé par 2 fois g. Par cette formule d'impulsion, nous savons que petit p est égal à m fois V0. Donc, le V0 est égal à P sur M. Dans cette équation-là, nous pouvons donc remplacer le V0 par P sur M, ce qui nous mène vers H est égal à P carré sur M carré, le tout divisé par 2G, donc H vaut P carré sur 2G M carré. Nous remplaçons le P par 600, le G par 9,81 et le M par 60. Et c'est ainsi que nous trouvons comme hauteur 5,1 mètres.